une journée magnifique. On a vraiment beaucoup de chance d'être là. C'est vrai qu'on est tous très solidaires de ce que fait Abdel avec ici les pros et les enfants ce matin. Voilà, c'est une très très belle opération qu'on ne manque pas chaque année. Et on est très fiers, bien sûr, d'être là cette semaine, mais aussi on apporte tout notre soutien à Abdel tout au long de la saison pour les projets qu'il développe année après année. Voilà, et donc on est ravis d'être là pour les enfants. اليوم عجبني هذا النهار كل شيء كان في هذا اليوم زين عجبني هذا النهار تعلمت نلعب الجولف وشكرا لكم. Comme vous êtes en train de voir, un petit moment très intense pour moi qui représente la vocation de l'Oriental Legend. Ça veut dire un moment de partage important. Deux jours pour nous égoïstement, mais surtout la dernière journée pour les enfants de l'école que je suis en train de rénover, qui n'ont jamais vu la mer, qui n'ont jamais vu une station Saïdia. Et c'est ça qui fait chaud au cœur. Et puis surtout la disponibilité de tous ces professionnels de golf et ces grands champions qui partagent les mêmes valeurs. Voilà, on peut être de toute nationalité, de race, mais on a cette identité unique, ces valeurs uniques qu'on voudrait transmettre à ces enfants qui représentent l'avenir, ces filles et garçons, puis avec le sourire qu'on voit sur leur visage. Et c'est ça qui me fait chaud au cœur. Que dire de cette journée? Ben, aujourd'hui, on est à Saïdia avec des jeunes de la région pour leur apprendre à jouer au golf et les instruire dans l'éthique du golf. L'équipe gagnante de la 6e édition de l'Oriental Legend Pro-Am.